Bonjour les scorpions, j'ai été tellement emballée par votre tirage que ça m'en a fait perdre la tête. J'ai oublié de vous tirer quelques cartes sur le sentimental. Bon, quoique c'était tellement clair et évident que bon, hein, je vais vous dire l'essentiel était dit, mais je ne veux pas vous laisser sans votre reste. Donc je vais tirer quelques cartes, voir si on peut avoir des infos supplémentaires peut-être sur cette personne qui arrive à vous. Sur le plan amoureux pour les scorpions au mois de juin 2021. Bon, ouais, ici, clairement, il y a quelqu'un qui va demander pardon à son autre. Alors, ça peut être soit de vous, ami scorpion, qui allez demander pardon à quelqu'un, parce que vous allez conscientiser que c'est vraiment la personne bah, qui vous tenez, que vous aimez. Ou soit c'est une autre personne qui va revenir vers vous. Peut-être pour certains, effectivement, clairement, de demander pardon, de demander, écoute, je ne peux pas me passer de toi. Il y a une notion d'un retour à l'autre et de pour voilà, conscientiser peut-être ce qu'on n'avait pas compris ou ce qu'on a mal fait. Bon, il y a du projet ensemble, en tout cas, avec cette personne-là. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous aviez déjà commencé cette relation depuis un certain temps? Voilà, il n'y avait peut-être pas beaucoup de concrétisation ensemble, c'était peut-être encore un peu soit prématuré ou on n'évoluait pas, il y a cette notion-là aussi, et je pense que pour certains, il y a quelqu'un qui vient vous dire, excuse-moi, ça n'a pas évolué comme ça aurait dû, alors est-ce que ça va évoluer justement? Et pour d'autres, peut-être que quelqu'un va vous proposer quelque chose, d'avoir un projet ou de faire quelque chose de nouveau ensemble, mais vraiment je pense que ça va être de commencer à s'épanouir un peu plus ensemble, en fait. Scorpion, amour. 2021. Merci. Ben oui. Union. Alors, vraiment, il y a quelqu'un qui demande pardon pour aller vers une union ou en tout cas de faire beaucoup plus de choses ensemble. Donc, que ce soit vous, ami Scorpion, ou la personne de votre cœur qui revient peut-être vers vous. Je pense que c'est une relation qui avait déjà commencé ici. Voilà, en tout cas, ici, les célibataires, vous avez cette carte-là aussi. Mais ici, pour le pardon, pour moi, ben, on peut pas demander pardon à quelqu'un qu'on connaît pas. Donc, pour moi, clairement, il y a quelque chose qui avait déjà commencé avec cette personne. Vous la connaissez déjà, mais ça avait du mal à avancer. C'était pas très stable. On faisait pas beaucoup de choses ensemble. Mais maintenant, avec la carte de l'union, on voit qu'on veut avancer ensemble, qu'on veut faire beaucoup plus de choses ensemble. Alors oui, l'union pour certains, ce sera la proposition peut-être d'un début de mariage ici, hein. Ça, je ne dis pas. Peut-être que vous passez une étape supérieure après avoir mis les choses au clair, mais pour moi, en tout cas, il y a beaucoup plus de voilà, vous voulez passer, alors oui, vous passez du temps en famille, si vous avez déjà une famille, et peut-être que certains ont le besoin justement de, ben voilà, de se délester de certains poids ou de non-dits pour aller vers beaucoup plus d'union avec l'être aimé. Voilà les lions, je vous laisse, et puis je vous dis à tout bientôt. Bisous!